Sampai
Let's go.
Thank you.
panda semana bandi. Nous te bénissons ce matin, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce jour-ci que tu nous as donné. Papa, après changer les commandes, on peut dans tes mains. Seigneur, nous ne serons pas ensemble, mais je sais que tu es là et tu serais avec moi. Voilà pourquoi nous allons chanter à ton honneur, parce que tu allais dire, reçois les louanges et reçois l'adoration pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Seigneur, bénis ton peuple, tes fidèles, tes fils, tes filles. Seigneur, ils en ont besoin. Et j'ai besoin également de ton assistance le jour. Que ton nom se soit glorifié et magnifié. Et à présent, Seigneur, nous allons méditer ta parole. Je recommande ces moments dans tes mains. Seigneur, les cœurs dans tes mains. Afin que ton esprit manifeste ta présence. Afin que ton nom se soit loué. Afin que tout ce que, Seigneur, vient à l'encontre, Seigneur, de ta parole, soit retenu au nom de Jésus-Christ. Papa Yahvé, je remets tout dans tes mains parce que tu es Seigneur. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Je vais vous demander de prendre vos livres. Mais je ne vais pas oublier de remercier mon papa spirituel pour tous ces séjours, tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je vous remercie pour et ma maman aussi n'est pas là, mais je voudrais la dire merci également. Et pour toute l'assemblée, tout ce que vous avez fait et tout ce que nous avons fait ensemble. La brousse ne va pas vous venir en semaine, le bon n'est pas faire quand ça n'a pas vraiment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, nous allons faire lecture dans Lévitique chapitre 19, verset 18. Et là, car maman pour ce chapitre pile, ouais, verset pile, il y a là. Lévitique chapitre 19. Maman pour le chapitre pile, ouais. Le verset 18. Verset Pilani. Je répète pour une dernière fois. Lévitique, chapitre 19. Mambo, chapitre Pilawe. Le verset 18. Verset Pilani, ouais. Tu ne mangeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Je relis encore la partie. Tu ne te mangeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Carmen. Puis Ephraim, Rokopsouni, Boudanélié, la Ephibe Rasa, qui surtout pose pour ne plus le soupier. Puis Ephnonga Fiaka, Wabmenga, Mambia Sissoba. Gloire au Seigneur. Bakwena. Nous savons qu'on t'aime. L'amour pour ton prochain. Ton nom soukouyé ta main. Non long. Et bien. L'amour pour ton prochain. Non long. Et bien. Un jour, le Seigneur Jésus parlait avec ceux qui l'écoutaient. Et il employait ce mot prochain. Là, Goma, Gombininga Seda, et Fiaka. Et les gens ont posé au Seigneur, là, qui est mon prochain? Et parce que quand je suis là, Anna Lamamiaka. Qui est mon prochain? Anna Sobramamiaka. C'est celui qui est à côté de chez moi. C'est celui que je dors avec. C'est celui à qui nous marchons ensemble. Oui, mais plus que cela. Tous,
Tu peux être humain que nous vivons ensemble ou nous collaborons ensemble. Nous pouvons dire que c'est notre prochain. Et ce matin, notre thème va apporter l'amour pour ton prochain. Cela est capital. Et c'est ce que le Seigneur nous recommande. Et le verset 18, nous commençons. Tu ne franchiras point. La verset pire du voyage la main. Bifrago ko souriye. Tu ne franchiras point. Bravo ko souriye. La vengeance. Souroule. Souvent laisser et puis ne pas se venger. Wakapire parce que dans ko souriye. Et c'est comme si tu n'as pas de force. Ya wa capable d'agir. Poya nese katatanga. Bifoya nese katat ko vonti le bobe. Oh la vengeance n'amène que des rancœurs. Ou bien des colères qui ne se finissent pas. La sourogrea bumsi wani souli la roken se katari morban tonso. Nous avons essayé de voir cela. Ton nangé se bonkanga. Et quand le roi David était là. La vie David se wambi. Et David a eu des collaborateurs qui l'a travaillé tel que Joab qui était le chef de son armée. A David tata la tout n'a pas fait. Voilà Joab se daya asu. Joab. Joab. Azoab Sendaya Asuda Sator Saba. Et quand David mourait, la David se voit qui loue. Il appelait son fils Salomon qui devrait régner après lui. Abouda qui régnait après lui. A Salomon, Abiga Salomon Senda, Toron Dinama Yipouri. Et il a dit maintenant Salomon. Et il est là Salomon. Salomon, écoute-moi. Salomon, quel est toi? Tu sais, oui, Mimi. Joab avait fait quelque chose qui m'a pas plu. A Joab Ramana Boum Sekaye Mamou. Mais à mon existence, à mon existence, et je n'ai pas voulu le faire ce qui est mal là. Mais après quand je vais mourir, Salomon. Et si ce gars a fait quelque chose qui est mal, il faut l'éliminer. David a cité les noms ici. Et quand David est mort, la David se voit qui. Et Salomon a commencé à appliquer tout ce que son papa a dit de faire. Il a tué les joueurs là. David n'a pas pardonné. David n'a pas souillé. Et il a donné cette vengeance à son fils. David a sous le gouvernement. Et son fils l'a impliqué comme son père l'a demandé. Liga que le manawaba. Ah, c'est même David. La David Kanabala. C'est lui il avait dit. Y a David Kanabdaye. Quand le roi s'est saoulé. Lui ne va pas mettre sa main sur lui parce qu'il a été oué par Dieu. Et ce même David, quand il mourait, il appelait son fils. Il a montré tout ce qu'il doit éliminer. On pourra trouver des enfants à ce tour-là. Ce sont des gens qui ont collaboré avec lui. Tu ne vas pas chercher un point. Tu ne vengeras point. Une violence contrainte qui n'est pas aussi loin que je n'ai pas donné le nom. Et un jeune homme, d'après qu'il prend l'alcool ou bien du tabac, d'autres disent qu'il a un problème mental. Et ce jeune homme est allé pour chercher du mairie. La belle du canal est une amène à ce moment. Et quand il est arrivé, la seconde, et le propriétaire du chat qui était un vieux était là. Le vieux est venu trouver que le chelon a enlevé le niri là. La nikim a dit comme un petit biga wa nyaka rona. Et le vieux a menacé le chelon. La nikim a Ça va la main. Et le chelon au lieu de partir, comme psychologiquement il n'est pas bon aussi, il a réagi. Là, Bibekana a signé à ce monsieur de Noroloa, Zoube Messendaka Soma, a mis le Kanikema. Et le vieux s'est approché du chelon. La nuit qui est mariée dans la Colombie. Et quand il a voulu taper le vieux, le vieux a voulu taper le chelon. Lui qui est passé un macanan ou une biga. Le chelon a récupéré son bouteille. Et il a frappé le vieux là, l'éliminé complètement et il est mort sur le chelon. Et quand il a tué le vieux, les enfants du vieux sont venus et ils ont
fais le constat. Niki ma kamwame wa nyen ni gese ma. Et sur le champ seulement. Les ibou mbala. Non, il y a pas de pardon. Ceux qui étaient à l'approche, ils ont fait de sorte que tous les champs se sont réunis sur le champ. Ni ni si fin, c'est d'arriver au monde quand même pour les ni ma fin ou tu vois. Ils ont cherché le jeune homme, il est allé rentrer dans sa famille paternelle. La brigue dit qu'il m'a tasse de le jeune homme, ils sont rentrés à l'intérieur. Ils ont saisi le jeune homme. Ils sont repartis sous le mairie. Et puis c'est ils ont abattu le jeune homme. Et il est mort sur le champ. La vengeance. Sous le prêt. Cela s'est limité ainsi. Mais là, peut-être les autres là aussi peuvent mettre cela dans leur cœur. Tu te dis pas t'arrêter que y'a le canard qui nous sauve. Si un jour, il arrête ça aussi. Si les autres là aussi ont tué un de nos frères. Ni on sera obligé aussi d'éliminer la personne. La vengeance n'est pas une bonne chose. Sous le corps, comme vous faites, ça tu ne vengeras point. C'est la parole de Dieu qui recommande. Nous pouvons toujours voir, c'est un peu le pays que comme la Côte d'Ivoire. Si ceux qui sont là, c'est leur village, dans ce pays, la Côte d'Ivoire, s'ils ne pardonnent pas, s'ils ne se vengent, ils n'auront jamais la paix en Côte d'Ivoire. Parce que d'autres ont vu leurs femmes qui ont été tuées devant eux. D'autres ont vu c'est leur mari qu'ils ont tué devant eux. Peut-être d'autres vont voir leurs enfants mourir devant eux. Et malheureusement, si tu vois ce criminel, la pour si tu peux le tuer, tu vas tout faire pour le tuer. Tu veux dire la vengeance de faire qu'un pays, je ne sais pas comment expliquer ça. La vengeance ne fait que la haine de continuer et la paix ne peut jamais rire. Sous le vrai qui est la lutte, tu sais que le quête n'a pas tant que ton état soit, tu l'as fait pas le tien, oui, à part. Voici pourquoi le Seigneur dit, et allez, sautez du sauvage. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 38 à 39. Vous avez appris. Le Seigneur Jésus avait dit, vous avez appris. Tu sais, c'est la meilleure somme, ça, mais. Œil pour œil. N'oublie d'un autant. Mais moi, le Seigneur, la main, je vous donne un nouveau commandement. Si quelqu'un vous tape sur la joue droite, tournez la gauche là également pour lui. Ce qui veut dire que tout ce que l'on nous fait comme mal, nous ne devrons pas agir de la sorte. Nous devrons être des gens exemplaires. Nous devrons toujours faire ce qui est bien. Nous ne devrons pas venger. Non, la vengeance appartient à l'Éternel. Et la vengeance de Dieu, les gens n'aiment pas. La wena sous le grand, même Jonas n'aime pas. Même Jonas dans la Bible n'aime pas. Parce que Jonas n'a rien ou n'a fait la voix à quand on vous sera sur le quand Dieu l'a dit, oui, n'a pas de l'inim. Alors, cette nouvelle là, ce peuple qui se sont détournés de moi et qui agissent ce qui est mal, si ils ne changent pas de leur voix, je vais les éliminer. On a ça, là, Jonas, sa volonté est que ces gens-là mourent tous. Je veux dire, celui qui nous fait du mal, nous avons toujours la tendance que ce qui est mal arrive la personne. Je me souviens quand je faisais l'école primaire. Peut-être que c'est vrai, mais on s'en va à l'école primaire. Le CE2, tout ce que CM2, c'est une seule maîtresse qui nous est tenue. CE1, Titan. CE2 au CM2. CE2, Titan, CM2, Tandoro. Il y a quand ça, quoi, quand Ayeba n'est pas sa femme. La dame, oh, vraiment pas possible. La para, Ayeba, la canarie. Quand ça chauffe, elle frappe avec droite,
Malheureusement, si elle met la calouche là à gauche pour chicoter. Ça on vient à parler de l'ouverture, la ouverture même ça ouais. Attends, la loi qui est cachée sous barre, sous barre même il y a tout au milieu de l'ouverture. Je la haïssais. La pourquoi ma mère qui fait la même. Et quand je parle à l'école, la maxime de tirer l'école là, voici ma vision. À ma force, voilà, à votre. Étudier. Étudier. D'après Karma, mais. Devenir enseignant. Ou aller me calcamba. Et la dame avait des jumeaux qui venaient avec elle souvent à l'école là-bas. Ça, quoi, quand elle a été utilisée, il s'est à Karma, il s'est d'ailleurs qu'il se tourne à l'école là. Et quand je veux devenir enseignant. La maxime de ma mère. Et on va amener les enfants là pour que les élèves enseignent. Et tant qu'on va m'aider ou à m'amener à tenir le casse-là. Je vais frapper pour qu'ils puissent avoir ce qu'il y a. Comment on a mis ce temps pour nous accepter? Je voulais, ce que la maman m'a fait, c'est ce que je veux faire chez les enfants. Et maman, c'est ma loi pour me dire, il y a beaucoup de gens qui ont été élevés à Kabezou. Et peut-être ça va être pire. C'est comme vous m'avez dit, oui, mais. Ah, j'avais oublié que je ne pouvais pas enseigner ces enfants. Pourquoi m'a dit, tu sais, tu m'as mis les enfants. Cela ne venait pas dans ma tête. Pourquoi m'a dit, mon but, c'est de devenir enseignant. D'abord, il y a des enfants. Il frappe ses enfants. Pour rembourser ce que leur maman a fait. Si la vengeance va être de telle sorte, regardez. Sous le prévoit, il y a la route. Mais regardez, quand la femme ne voulait que ce qui est bien pour moi. La vengeance n'est pas une portion aux gens. Peu de Dieu. Peu importe là où nous sommes. Même dans nos familles. Nos voisins, le pays où nous résidons, soyons des gens qui n'ont pas l'habitude de se venger. Laissez que la vengeance appartienne à Dieu. Même si la personne se répand et dit Dieu ne la punit pas, réjouissez-vous parce que la personne a connu le Seigneur. Et deuxième point, et tu garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Là, il veut sauver la main, vivra donc au souli, né au poudre, né bien. Tu ne te vengeras pas, tu n'auras pas de rancune contre tes prochains. Là, au souli, la main sous poudre, né au poudre, né bien. Une fois, j'ai déjà parlé cela ainsi ici. Une dame qui résidait dans son village avec sa famille. Avant qu'elle ne se marie, bien sûr. Et leur papa avait plusieurs femmes. Et la femme, sa grand-mère était la doyenne, mais son père n'aimait pas sa mère. Là, et maman derrière la poukima, la poukou, à Babra, maman. Tu as cela, on faisait tout ce qui est mal sur elle. Là, qui t'a menti, pour se dire, oui, faya, et maman, et elle est venue à Ouadou très tôt et très jeune, dû à tout cela parce qu'elle ne supportait pas. Là, pour quand elle se fait jouer à Ouadou, ce soit qu'il y ait plus pour ce que, la yé qui se fait dans ma mandat, maman, ce que fa, à la catrice. Et Dieu l'a béni. Elle a beaucoup de prospérité. Attends, elle aide beaucoup de personnes. Maintenant, la masse, ceux qui sont dans la famille, et ses frères, les frères qui ne sont pas nés avec elle de même mère, si ces gens-là viennent pour demander de l'aide, elle ne veut que se rappeler de ce que son père a fait à cause de leur mère. Attire le boum d'une femme à babasser dans ma boum d'une femme. Et elle dit non, parce qu'elle pense seulement tout ce qu'ils ont fait comme mal. La salle est en son mobile, la force. Elle a gardé cela, c'est ce qui n'est pas bon. Elle devrait pardonner ces gens-là. Elle devrait savoir que peut-être c'est dans l'ignorance qu'ils l'ont fait. Elle devrait savoir que peut-être c'est dans l'ignorance qu'ils l'ont fait. Elle devrait oublier également qu'elle a reçu Dieu. Et le Dieu et le Dieu ne sont pas les mêmes. Là, ni moi ni maman n'est pas moi ni maman qui est marié. Moi, j'ai toujours dit cela. Jusqu'à le jour. Nous avons des papas qui conseillent leurs fils ainsi. Ton tara et balancer bien et s'arrêter quand il est au terme de mourir. À 100 ou
il appelle ses enfants. Méfiez-vous de votre petit papa intel. Méfiez-vous de votre oncle intel. De toute façon, intel m'avait fait ça. Ainsi, même si vous devenez grand, ne faisiez pas du bien pour lui. Là, Le problème de papa. La mamie de Tiede, les ancêtres, c'est les ancêtres. À votre temps, vous tiez vos idoles, vous faisiez beaucoup de choses. Maintenant, moi, j'ai reçu un Dieu qui est sauveur. Et ce Dieu me dit, que je n'ai pas gardé rancœur. Pourquoi? Je veux mettre cela dans mes cœurs maintenant. Tout ce qu'on m'a conseillé de faire, d'agir mal à l'égard de mes prochains. La boule de neuf ans, et c'est ça, ni n'est pas ligne, ni pas ligne, ni pas ligne, vous allez dire que cela est difficile. Non, non. Rien n'est difficile au Seigneur. C'est ce que le Seigneur demande. Et si nous obéissons au Seigneur, nous allons voir que le Seigneur combattra pour nous. Comme il a dit dans Ésaïe 14, gardez silence mon peuple. Et regardez maintenant le combat que j'ai combattu. Et le Seigneur a combattu pour son peuple. Et il combattra également pour nous. Et notre troisième point, et pour terminer, toujours le verset 18. Aimera ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. On peut aimer soi-même. Mais aimer le prochain. La nomomi yaka comme moi-même voilà même c'est nomomi souvent on trouve cela que c'est difficile tout le monde est non vous êtes hier quand c'est bien tout et ça aussi c'est même pas toujours compliqué si la personne t'aime là hier quand même à quatre ça dit comme tu yaka c'est nomapoumi mais si la personne te haï la yaka c'est difficile comment aimer celui qui te haï il a manamana on trouve nomomi c'est difficile quelqu'un qui ne veut pas ouvrir ses yeux on trouve nomomi c'est quand même pour que nous vivions tout mais pour le Dieu mais c'est pas le Seigneur. Le Seigneur nous recommande ce matin. Aime ton prochain comme toi-même. Vouloir ce qui est bien pour ton prochain. Fais tout ce qui est bien pour ton prochain. Dans l'Ancien Testament, c'est dans l'Ancien Testament le résident, mais au niveau de la loi, Exode chapitre 26, je ne me trompe pas. Il y avait beaucoup de lois comme ça. Si tu vas trouver l'animal et qui sait tourner avec les cordes et puis les cordes veulent la prendre, il faut aller détacher. Il ne faut pas laisser l'animal mourir ici. Mais je me pose la question, celui qui ne veut pas te voir à lui, et si tu pars pour détacher son animal, tu ne vas même pas oser aller le faire. Tu préfères que son animal meure que tu sauves son animal. Oh, si c'est ton propre animal, quand tu vois cela, tu vas te dépêcher pour pouvoir sauver l'animal. Mais le Seigneur recommande ainsi. De même comme c'est mon animal et puis j'ai besoin de sauver mon animal. Voici un homme qui m'a mis à l'époque. Même pour mon prochain, si tu vois l'animal, il faut tout faire pour sauver l'animal. Cette parole du Seigneur. Yes, Matthieu chapitre 5, verset 44. Ouvrez, nous allons faire lecture là-bas. Matthieu chapitre 5, verset 44. Verset 19, la nasse. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu 4,
car moi j'ai lu 45. Donc dis tout, lis 44-45. Ok, finalement là, ça y est la main. Mangeta nyam, bah, bi inno nyam beyama. La énigme ni si sain tout sur le même sous du baraka. La émanime ni si sain qui s'y a maniri. La épouse ni si sain ma nyam wenga. La sain. Et nam se de nyam beyinga. Ti nyam tui en yibam. Basse de azana kamba. Si bon, dame qui est dame, tu n'as pas mon tour, c'est que nous sommes la nintir se n'yigre. Dame qui est dame, tu n'as pas mon tour, c'est que nous sommes la nintir se n'yigre. La dame pounda Sara. Dame pounda Sara. Sara nintir se la nintir se n'yigre. Gloire au Seigneur. Amen. Le Seigneur Jésus, il est bon. Ce soir, Jésus, il est plein de bonté. Et il veut que son peuple, la vraie femme du Bang Neba, ait cette bonté-là également. Tant son nom qu'en amène. Il demande que je marche dans cette bonté. Moi, que je marche dans cette bonté. Tu m'as maintien. Que tu marches dans cette bonté. Tu peux me dire somme que nous marchons dans cette bonté. Tu peux faire quelque somme et il te va maintenant. La l'écoute amen. Il met aussi maintenant. Tu peux nommer les bien là. Fais du bien à tous ceux qui nous haïssent. Ma Dieu, que je fasse et dise ton dernier. Il te demande de persévérer dans la prière pour prier pour eux, pour que Dieu puisse les changer. On compte même tes tonnes les n'empêcher pour ni pas mal et tout et n'empêcher. Et pour terminer, il dit Dieu le Père me vient aux cieux. Là, à prier, la petite Winam, c'est à quoi même c'est bien. Il fait pleuvoir. Et quitte dans tes salades. Pour ceux qui sont justes et pour ceux qui sont injustes. Il fait soulever le soleil. Et quitte dans tes routes pour tous ceux qui sont justes et pour tous ceux qui sont injustes. Et si Dieu le fait, la Winam, ça m'a compris. Nous, c'est la chute. Nous devrons avoir l'amour pour les prochains. Et faire tout ce qui est bien à leur égard. Que le Seigneur nous bénisse. Retenons ainsi. Ne vengeons point. Ne gardons pas de rancœur contre les prochains. Ils vont les prochains comme vous-même. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.